Mais si c'est pas toi ici. Non. Comment ça? Je veux enregistrer mon bébé. Qu'est-ce qui se passe en cours? Il n'y a rien. Comment? Et il enregistre ton numéro, mon bébé. Fais voir les messages. Ça veut dire, non? Tu me manques et tout et tout. Il n'y a rien. Comment vous sortez ensemble? Comment tu peux me faire? Attends. Ce ne sont pas tes photos ici. Beau. Comment tu peux me faire ça? Après un an de relation, sur ce, tu me remercies. Leslie. Est-ce que c'est ta meilleure amie, c'est que tu causes avec son gars? Elle ne sait pas. Et c'est toi qui passais le temps à me dire que c'est pas un gars sérieux. Donc pourtant, vous étiez ensemble. Elle te disait que ton gars n'est pas un gars. Ouais, qu'il n'est pas un bon gars et tout. Pourtant, vous étiez en couple. De toutes les façons, c'est fini entre nous. Salut les amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Actuellement, vous voyez où je suis, non? Il y a trop de bruit, les vagues d'eau. Je suis à Kribi, je suis plus à Douala. Déjà, bon, Benson. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien, toi-même. Très bien. Très, très bien. Ça va bien, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Je vais bien. Très bien. Très je t'appelle bien. Comment? Marina. Marina. Tu as un joli sourire, Marina. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va bien. Toi, je t'appelle comment? Leslie. Hmm? Leslie. Leslie. Mm-hmm. Leslie, il ne faut pas avoir pour les parents. Il faut pas la voir là, ça monte. Quand vous avez les gars, vous criez, parle maintenant. Mais Leslie, non, il crie, non. Ça ok. Dépend des contextes, je crie partout. Tu cries partout. Ouais, ça oui. Dépend du contexte. Uh-huh. Ok. Bon, toi, tu t'appelles comment? Mon nom, c'est Daniel. Daniel. Ok. Daniel, Leslie, Marina et Leslie. Bon, déjà, merci d'avoir accepté de passer à mon émission. Ça fait plaisir. Du coup, je t'ai vu marcher avec plus de deux filles à côté, toi seul. Vous êtes en couple ou bien qu'est-ce qui se passe? En fait, ici, c'est ma petite amie et là, c'est son ami. Ah, c'est sa meilleure amie là-bas. Ouais, ouais. Et ici, c'est ta petite amie. Ouais. Vous êtes ensemble. Mm-hmm. Ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Ça fait pratiquement un an. Un an? Ouais. Ok. Si vous me permettez, comment est-ce que vous avez rencontré? On s'est rencontrés au restaurant. Là, au niveau de Copacabana. Ouais. Non, tout juste à côté, on s'est rencontrés. Tu étais seul ou bien tu étais avec les amis? J'étais tout seul. Je prenais un pot. Et là, j'ai vu cette demoiselle. Ok. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu fais avec ta copine et sa meilleure amie? Pourquoi vous êtes tous les deux à trois? Nous sommes sortis prendre du bon temps. Mm-hmm. Et on a décidé un peu de marcher. Ah, ok. Elle est venue avec sa meilleure amie. Mm-hmm. Et toi, ton gars est où? Ton gars n'est pas là. Ton gars n'est pas là? Oui, il n'est pas là. Ok. Du coup, tu dis ça fait presque un an que vous êtes ensemble. Ouais. Quelle est venue t'aborder? Qu'est-ce que tu as plus lui? Dis la vérité. Non, en fait, parce que vous les filles, avant quand un gars vient vers vous, vous allez à scanner, vous voyez si c'est ton style ou pas. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré sur lui le jour qu'il est venu vers toi? Il est mignon, mm-hmm. Propre, respectueux et tout et tout. C'était un bon point. Ouais, ouais. Comme je le dis souvent. Là. Et quelle était venue vers toi? Tu étais en couple ou tu étais célibataire? Non, j'étais célibataire. Tu étais célibataire? Ouais. Pourquoi tu étais célibataire? En fait, je sortais d'une rupture. Ça faisait combien de temps? 3 mois environ. 3 mois? Ouais. Et qu'est-ce qui s'était passé? Je ne veux pas entrer dans les détails. Tu veux pas entrer dans les détails? Quand une fille dit d'accord, ça veut dire que c'est elle qui avait dérangé. Par d'habitude, quand c'est un gars qui te brise le cœur, tu dis tout ce qui s'est passé. Non, moi je ne dérange pas. Mmh, toujours. Et toi, Leslie, actuellement, est-ce que tu es en couple ou tu es célibataire? Je suis en couple. Tu es en couple. Ça se passe bien, non? Pas très bien, mais je suis en couple. Pas très bien, mais tu es en couple. Mmh. Est-ce qu'il sait que tu es là? Avec ta meilleure amie? Oui, il sait que je suis là. Maintenant, si tu tombes sur un bon pain, tu fais comment? On sait jamais, un peu croquer un peu. Tu croques un peu? Tu fermes la bouche? Ferme la bouche, je parle pas. Ok. Pas. Ça ne parle pas trop. Uh-huh. Ok. Bon, est-ce que tu lui fais confiance depuis un an que vous êtes ensemble? Est-ce que ouais. Tu as confiance à lui? Oui. Tu es sûr? Dis la vérité. Oui. Tu as confiance à lui? Oui. Ok. Bon, est-ce que toi tu as fait confiance à ta copine? On se fait confiance. Vous faites confiance? Ouais. On connaît comment ça se passe le temps. Surtout quand c'est une femme claire, là, on connaît le temps clair. Est-ce que tu as confiance à une fille claire? La relation, c'est le dialogue. Ouais. Bon, on se fait confiance. Ok. Et à combien de pourcents tu lui fais confiance? Je ne peux pas déterminer. Donc c'est beaucoup. Énormément. Lui faire confiance aveuglément. Bon, c'est une femme claire. C'est une femme claire. On s'en fout, gars. Ok. Est-ce qu'actuellement, tu crois à la fidélité? Si tu crois du genre où elle est là avec toi, là, tu es le seul gars avec qui elle est actuellement. Bon. Je sais déjà que dans une relation, lorsque tu as une femme, mm-hmm. c'est à part lorsque tu es avec elle là. Mmh. Je ne suis pas à connaître ce qu'elle fait dehors. Voilà. Donc, à partir du moment où tu es avec voilà. Elle, c'est ta part. Non, ça me va. C'est okay. Tranquille. Donc, tu le contrôles plus le reste. Non, non, non. Okay. Tu sais ce qu'il dit. Donc, quand tu n'es pas avec lui, il ne sait pas avec qui tu gères. Tu es sa copine quand tu es là. Est-ce que toi, tu as confiance aux hommes? Parce que d'habitude, les filles disent que non, moi, je ne peux plus faire confiance en. Est-ce non, que j'ai confiance en lui. Tu crois encore à l'amour? Ouais, ouais. Tu l'offres. Hein?
Est-ce que tu, tu crois à la fidélité? Genre, tu es sa seule go? Oui. Hmm? Oui. Tu es sûr que tu es sa seule go? Oui. Et c'est pour habitude, tu fouilles dans son téléphone? Non, il ne me laisse pas toucher son téléphone. Il te dit quoi? C'est personnel. Que c'est personnel? Ouais. Donc, depuis un an que vous êtes ensemble, tu n'as jamais touché son téléphone? Oui, mais il fouille le mien. Mais il fouille ta part? Ouais. Laisse, tu fouilles dans le téléphone de ton gars? Non, pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas avoir la WC. Tu ne veux pas avoir la WC? Uh-huh. Tu n'as jamais touché? Et a touché. Avec lui, tu as fait combien de temps? Donc, pratiquement, on part à... Disons, 3 ans. 3 ans. Mm-hmm. Donc, depuis le 3 ans, tu n'as jamais touché le téléphone? Bon, il a touché un peu. Il a touché. Et tu étais satisfait de ce que tu voyais? Mm-hmm. Justement, j'ai décidé de ne plus toucher. Moi, le tête. Ah. Et c'est lui qui touche dans ton téléphone? Il fuit ton téléphone? Non, il fuit pourquoi? Mon téléphone est d'abord verrouillé. Tu veux verrouiller? Bien sûr. Tu peux ne pas être sérieux, Alessi. Je suis sérieux. Est-ce que tu connais son gars? Ouais. Tu connais son gars? Oui. Est-ce que tu as sorti avec elle et son gars? Comme tu, elle est sortie avec toi comme ça? Oui. Hmm? Vous marchez ensemble. Ouais. Ton gars, est-ce que tu connais son gars? Effectivement. Tu connais son gars? Mm-hmm. Ok. Parce que moi, elle n'aime pas quand tu marches avec la femme de Trouille et tout et tout et tout. Ok. Dis-moi, Bo, est-ce que tu as eu à regarder les vidéos de tests de fidélité où on fouille le téléphone des gens en couple? Non. Jamais? Non, jamais. Du coup, elle dit, tu fouilles dans son téléphone, mais tu l'as jamais laissé fouiller dans ton téléphone. Pourquoi tu ne veux pas que tu aies ton téléphone? Pour moi, le téléphone est personnel. Déjà, je travaille mon téléphone et je ne permets pas ce que je ne vais jamais accepter qu'on fouille mon téléphone parce qu'il y a des dossiers très confidentiels à l'intérieur. Que confidentiel? C'est ta copine, non? C'est ma copine, mais la relation n'exclut pas la méfiance. Je sais. Mais là, quand tu fuis son téléphone, est-ce qu'elle n'a pas les trucs confidentiels qu'elle peut te cacher? Moi, je travaille avec mon téléphone. Et elle? Et mon téléphone, c'est ma vie. Et elle alors? Donc, tu as droit à fouiller le téléphone de la femme. Ton téléphone n'est pas aussi personnel? Si. Tu as les trucs confidentiels à cacher, non? Ouais. Et pourquoi? Mais il se permet de fouiller. Voilà. Pourquoi elle te laisse fouiller son téléphone? Mais... C'est une femme. Elle doit contrôler ce qu'elle fait. Ok. Voilà ce qu'on va faire. Hein? On va faire un jeu. On va mettre 20 000 francs. 20 000. Si vous êtes fidèle, vous allez remporter 20 000. À condition que tu vas dévouer ton téléphone. Elle va fouiller en 2 minutes. Elle aussi va dévouer son téléphone. Elle va te donner en 2 minutes. Est-ce que toi, tu es d'accord? Bah, je suis pas d'accord. 20 000? Je ne suis pas d'accord. Que t'es pas sérieux. Est-ce que toi, tu es d'accord? Moi, je suis d'accord. Voilà. C'est devant toi. C'est devant toi. Mm-hmm. Voilà, c'est 20 000. Si ils sont fidèles, ils vont rembourser 20 000. Est-ce que toi, tu es d'accord que tu dévoues en 2 minutes? Pas trop. Bon. Comme vous insistez, elle va fouiller mon téléphone. C'est pas quand j'insiste. Comme tu dis trop que je suis infidèle, machin, truc, tu vas l'en fouiller mon téléphone. Elle a dit que tu es infidèle. Ouais. Elle a juste dit que le fait que tu caches derrière ton téléphone, ouais, c'est suspect. Ça dit beaucoup de choses. J'interprète ça à ma manière. Ça veut dire, entre parenthèses, je suis infidèle. Est-ce que tu es d'accord qu'on fouille mon téléphone? Je suis d'accord. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Est-ce que toi, tu es d'accord? Oui. Tu es d'accord? Oui. Est-ce qu'elle peut avoir votre téléphone? Pourquoi tu donnes ton téléphone comme ça? Mais son téléphone n'a même pas le mot de passe. Ok. Tu as enlevé le mot de passe. Hein? Pourquoi ton téléphone n'a pas le mot de passe? Ah, j'ai rien à cacher. Tu n'as rien à cacher. Bon, est-ce qu'elle peut avoir ton téléphone? Il doit avoir les deux téléphones. Voilà. Dévouille. Voilà. Donne-la à arrêter. Prends son téléphone. On commence par qui? On va commencer par elle. Comment tu as réussi ton gars dans le téléphone? Daniel. Oh, Daniel. Mmh. Daniel. Attends. Daniel. Daniel. Même pas mon bébé. Mon nom, comme si c'est ton cousin, Daniel. C'est ton camarade de classe, non? Pourquoi même pas mon bébé, tu as préféré arriver ton son nom, Daniel? Non, j'aime pas l'esthétique dans le téléphone. Tu n'aimes pas l'esthétique? Ouais. Donc tu n'aimes pas que le nom de ton gars soit romantique dans ton téléphone? Après, il va dire qu'elle est fidèle. Leslie, toi, tu as arrivé ton gars comment dans ton téléphone? Dis la vérité. Non. Ton nom? Mm-hmm. Voilà! Ok. Si on tape bébé, hein? Ouais. Daniel est le seul qui va apparaître. Oui. Le seul. Oui. D'accord. Y a deux gars, plus Daniel. Léo. C'est qui lui? C'est mon ami. Ton ami? Ouais. Est-ce que tu connais son ami Léo? Aucun de ses amis. Tu m'en as parlé dans Léo. C'est mon ami. Ton ami, comment? Pourquoi t'appelles bébé? Je m'appelle. C'est juste une façon de. C'est comme ça qu'on se. Entre vous les amis. Ouais. Tu connais son ami Léo? Oui. Tu es sa meilleure amie, le cas de Oui, je connais. Est-ce que tu connais son ami? Oui. Non, ah, tu vois ça, tu vois quelque chose. C'est son ami. Tu connais son c'est ami? C'est mon ami, c'est notre ami. C'est votre ami. Oui. Vous savez que dans ton téléphone, son nom peut aussi sortir. Bien sûr. Hein?
ouvre un peu ton téléphone, va voir. Si Léo ne sort pas dans ton téléphone, ça veut dire que c'est pas que tu manques. Est-ce que tu es sûr qu'il y a son nom dans ton téléphone? C'est un ami, bon, il n'y a pas son nom dans mon téléphone, mais c'est un ami, je le connais personnellement. Mais tu veux lui dire que c'est votre ami, non? Donc, c'est un ami, je le connais parfois, on sort souvent ensemble, on parle, lui, c'est un ami. Parfois, vous sortez souvent ensemble. Manger les gambas. Non, pas Tu as dit parfois, vous sortez souvent ensemble. Oui. Pourquoi tu sors avec un gars qui est censé être ton ami et que ton gars n'est pas au courant? Tu n'as jamais dit à ton gars que tu sois avec un ami, pourquoi? Moi, je n'ai pas prouvé que c'est important. Hein? C'est pas important. C'est pas important. C'est un camarade. Comment tu prends que tu m'as appelé? Attends, ton gars est censé savoir avec qui tu te balades, non? Est-ce que lui-même dit tout? Hein? Est-ce que lui-même dit tout d'abord? Est-ce que lui-même dit tout? Ok. C'est pour ça que vous décidez aussi de faire vos choses dans le noir. Son ami invite, c'est pas au noir. Son ami vous invite, pas. Et moi je suis au courant. C'est aujourd'hui que je découvre même que... Donc tu sors même souvent. Hein. Donc tu es là, tu sors même souvent. Attends, moi, comment ça veut dire qu'elle ne sort pas souvent? Donc tu sors souvent. C'est souvent juste à l'école, Léo et moi. Ah bon, hein? Ouais. Donc après le coup, vous partez. Non, nous sommes dans la même faire les choses. Souvent. Attends, tu dis que vous sautez souvent ensemble. Vous sautez souvent. Tu as parlé, non? Et c'est elle, c'est même pas c'est ta mère qui dit vous sautez souvent ensemble. Mais rarement, en fait. C'est pas sorti comme vous pensez. Là, on se pose juste. Sorti, c'est sorti. Ah. Sorti, en tout cas. Tu confirmes que Léo, c'est son ami. Oui, c'est son ami. C'est même bon comme ça, là. Non, bon, attends, ouais. C'est bon comme ça. Attends, elle dit que c'est son camarade. On va vérifier les messages. S'il y a rien de suspect, c'est bon. Léo. Non, regarde les messages. Il n'y a rien de suspect, c'est vraiment son ami. Tu as vu, non? Non, tu as vu? C'est vu. Mais toi, tu voulais la banque, tu as les nez, comment mon combi? C'est normal. Ok. On va taper, tu me manques, je veux voir. Ton cœur bat? Non. Ok. Daniel, c'est toi. Il n'y a personne. Regarde bien le numéro. C'est ton nom, non? C'est pas toi, Daniel, c'est Daniel, non? Mon amour, il y a Daniel, il y a Rémi, c'est qui Rémi? Rémi, c'est mon ami. Il dit ça ne va pas mon premier amour. Pourquoi t'as fait comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas? Ça a planté. Tu sais ce qui me plaît? C'est que ta meilleure amie est là. Mm-hmm. Donc du coup, si tu dis que c'est ton ami, elle est censée connaître tous tes amis là. Mm. Est-ce que tu connais aussi Rémi? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Tu as aussi son numéro avec toi? Oui, c'est mon meilleur ami. Comment ton meilleur ami n'est pas aussi son meilleur ami? Elle est quoi pour toi? Elle est ta meilleure amie, non? Ouais. Pourquoi ses amis? Toi, tu ne connais pas ses amis, pourquoi? L'ami de mon ami est mon ami, mais pourquoi toi, tu ne connais pas? Moi, je ne connais pas. C'est quelqu'un que je connais à Yaoundé, elle est ici. Non, tu voyages même sous temps, tu pars à Yaoundé. Attends, c'est quelqu'un que tu connais à Yaoundé. Ouais. Tout à l'heure, tu viens de dire que c'est ton ami en classe. En classe? Là, non, c'est Léo qui est mon camarade. Oui. Nous sommes à Kribé, nous ne sommes pas à Yaoundé. Tout à l'heure, tu as dit que tu connais aussi Rémi, non? Ça sort déjà. Ça sort. Je connais. Bon, fouille-moi le téléphone là. Fouille ça. Attends. Elle a la fille, okay. Que tu vois aussi. Ne vois pas les gens calmes comme ça là. Elles sont les mauvaises filles. Les mauvaises filles. Il te dit, bébé, tu me manques mon premier amour. Tu dis toi aussi, mon cœur, tu me manques. Ça sort déjà. Tu ris, non? Ça t'amuse. C'est juste mon ami. C'est juste mon ami, ton ami que tu appelles ton amour. Et à l'instant, c'est pas moi qui causais avec lui, c'est une amie à moi. C'est son gars. À quel moment? Pose-lui à quel moment. Ils ont eu les problèmes et ils ne voulaient pas causer avec elle. Elle a dû utiliser mon téléphone. Ton ami là, c'est quel ami? Une camarade de classe. Elle s'appelle comment? Daniela. Là, tu la connais? Oui. Hein? Mm-hmm. Tu peux pas dire le contraire. On va continuer. Si c'est autres, on va continuer, non? Il dit, est-ce qu'on pourra se voir? Tu dis, mais toi tu es à Yaoundé et moi à Kribi, tu veux me voir comment? Il te dit, c'est juste une question d'heure et d'une journée. Si tu appelles l'autre sans soi, tu viens ou tu viens pas. Tu dis non. C'est difficile de me déplacer sans dire à mon gars et ça serait suspect.